nous perdons presque un nombre de postes. On perd 44 postes dans le second degré, dans la seconde degré, on va voir aussi que le premier degré, même s'il y a zéro suppression de postes, eh bien le premier degré aussi va se retrouver en problème parce qu'il devrait y avoir les doublements de classe. Nous nous attendons d'une politique volontariste qui permette de prendre en charge tous nos élèves, quelle que soit leur situation, et tout en sachant, je rappelle que le socle des parents d'élèves est fortement un socle dit de milieu défavorisé. Donc, de notre point de vue, notre académie doit être prise en compte dans ce cadre-là. Faire en sorte que les élèves issus de milieux défavorisés puissent bénéficier d'un encadrement supérieur. La FAPEC, Fédération des associations de parents d'élèves de la Guadeloupe, a tenu à, quelque part, initier cette action et s'associer pleinement à la démarche des organisations syndicales parce qu'en finalité, suppression de postes, ça veut dire diminution de la qualité d'enseignement. C'est nos propositions et nous disons que nous allons accompagner les syndicats d'enseignants dans leur combat. Nous allons demander donc à tous ceux qui siègent dans les conseils d'administration, les membres de notre fédération, de ne pas voter ces dotations. Et pour ça, nous appelons donc à ne pas voter les gagés et nous entendons soutenir tous les mouvements qui sont à venir dans chaque établissement. Il faut s'attendre à ça. L'année dernière, il y en a eu pas mal. Cette année, il risque d'en avoir beaucoup plus. Et nous appelons aussi les collègues à refuser les heures sup. Parce que si les collègues m'ont dit tout à l'heure, il y a une multiplication des heures sup au profit de postes. Voilà. Les enfants ou les élèves qui sont les plus en difficulté, on a tendance à voir que c'est eux qui vont payer l'addition. On supprime des postes au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars. Puis quand on arrive au mois de juillet, au mois d'août et qu'il faut mettre en place la rentrée scolaire dans l'établissement, les chefs d'établissement ne peuvent pas la mettre en place. On recrée les moyens au dernier moment, en heures supplémentaires, avec des précaires, parce qu'il n'y a pas de titulaire remplaçant dans l'académie. Donc on nous parle d'une académie surdotée, mais on est une académie où il n'y a pas de titulaire remplaçant dans de nombreuses disciplines. Et donc, à l'arrivée, on se retrouve avec des précaires à la rentrée, des emplois du temps qui sont complètement bancals, parce que les collègues, mon titulaire, ils sont sur deux, sur trois postes, ça crée des contraintes gigantesques. Et puis, après avoir tiré sur la corde les années précédentes, de tout ce qu'ils pouvaient supprimer avec la réforme du collège, ben, pour cette rentrée, on a des annonces ministérielles qui expliquent qu'il faut un grand plan choral, c'est pas financé dans l'académie. On nous explique que le latin, les langues vivantes régionales doivent être des priorités, le créole, le latin ne sont pas financés particulièrement, les sections euro-caribéennes ne sont pas financées, alors que ce sont des sections qui sont censées valoriser l'ouverture sur la Caraïbe et sur le monde. Rien de tout ça n'est financé. Ça veut dire que le chef d'établissement qui veut financer ça, eh bien, il faut qu'il fasse des coups de sonde ailleurs. Ça veut dire concrètement qu'il doit dire « Bon, bah alors, on va supprimer les doublements en physique pour garder l'option latin. » Et donc, on met les collègues en concurrence les uns contre les autres, mais ceux qui sont perdants à la fin sont bien évidemment les élèves. Donc, le recteur cache ses chiffres, maquille les chiffres, et à la rentrée, il va falloir voter puisque les élèves, eux, ne vont pas disparaître. Dans le premier degré, on a la même problématique. Alors certes, on a une petite baisse démographique dans le premier degré, mais depuis de nombreuses années, on a un recteur qui ne recrute pas suffisamment de professeurs des écoles alors qu'il y a la main sur les concours, qui refuse d'ouvrir des listes complémentaires, si bien qu'il y a des moyens non utilisés dans l'académie, et qu'à la rentrée, on avait presque 20 classes qui n'avaient pas d'enseignants devant pour mettre devant les élèves, parce que les postes existaient, mais les gens n'existaient pas physiquement. Que la seule réponse valable pour faire réussir tous les élèves, c'est de donner des moyens humains, c'est de renforcer l'encadrement humain. Et l'encadrement humain, c'est pas de mettre un policier en civil dans une classe ou dans une maternelle, c'est bien de mettre des enseignants, des surveillants, à tous les niveaux, des assistantes sociales, des infirmières scolaires, parce que c'est ça aussi la réalité de cette académie, c'est un déficit lourd en infrastructure globale.